Rocket Audio aujourd'hui dans Tone Factory avec la HRM pour Hot Rubber Monkey. Qu'est-ce que c'est que ces trois lettres? C'est une modif, une mode comme on dit, qui était appliquée sur les amplis Dumble, les amplis désormais mythiques Dumble. Voilà, c'était une sorte de seconde équalisation qu'on venait placer en dessous de l'étage de gain, après l'étage de gain pour être très précis. Et ces pédales, Hot Rubber Monkey chez J-Rocket, rendent hommage à cette mode, reproduisent un peu ce son. On peut parler d'amp in a box, même si j'aime pas trop utiliser ces termes. C'est ce qu'on a voulu faire ici, et on est sur la deuxième version de cette pédale. La première version, on l'avait essayée dans Tone Factory. C'était un grand plaisir d'essayer cette pédale qui reprenait un petit peu le son Dumble. C'était d'ailleurs le titre de la vidéo, comment se rapprocher du son Dumble. Et depuis, cette pédale, elle est chez un abonné Tipeee, un membre soutien Tipeee de Tone Factory. Voilà, qu'on salue au passage. On offre une pédale par mois sur Tipeee. Donc si vous aussi, vous voulez venir soutenir la chaîne pour quelques piécettes, c'est le moment de le faire. Alors sans plus attendre, musique avec cette HRM. Et déjà, le gain, comme d'habitude, on va tester ça. On est quand même sur un overdrive, il ne faut pas l'oublier. On va pousser le gain, ce petit bouton à droite. Thank you.
J-Rocket a encore frappé. Ils savent vraiment faire les overdrives. Honnêtement, c'est parmi mes overdrives préférés, J-Rocket, je le dis souvent dans l'émission. Quand je travaillais ici chez Aurel Music au magasin, c'est les overdrives que je préférais mettre sur les amplis pour essayer les guitares, etc. Parmi les meilleurs pour moi. Et ça, c'est monstrueux. Alors par rapport à la première version, on va tout de suite parler de ça. Ça c'est la V2, donc la HRM V2. La HRM V1, on l'avait essayé dans Tone Factory, je vous le disais tout à l'heure. Une pédale qui était un peu plus neutre que celle-ci. Celle-ci a un caractère un petit peu plus affirmé qui se dégage dans la famille de sons Dumble, entre guillemets. Il y a un gros son, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, honnêtement. Même le gain au quart, on a un son très défini, mais très large. Ça ouvre vraiment. La guitare ressort vraiment, le caractère de cette Telecaster de chez Gibro avec ses micros EP4 ressort magnifiquement bien sur l'ampli, là, sur le F-Type. Et puis plus on monte, plus la pédale prend de la place. Alors sans pour autant manger la guitare ou l'ampli, mais honnêtement, c'est là, on peut le dire, un amp in a box. On a vraiment l'impression d'avoir un ampli très très différent, en tout cas du son du F-Type de base. Et c'est fantastique à jouer, hyper défini. Très très facile à mener. C'est pour ça aussi que j'ai fait beaucoup de nuances au début, pour qu'on entende vraiment que ça respecte le jeu du guitariste, le jeu au médiator. On a une pédale vraiment très 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 classe. Ils ont hyper bien bossé. Alors on va parler tout de suite des deux réglages ici, le top end et le mid range. Donc deux réglages, vous l'aurez compris, top end pour les aigus et mid range pour les médiums. On va voir comment ça fonctionne, vous allez voir, c'est des réglages hyper hyper précis, encore une fois. Ça, c'est un outil redoutable. Je pense à ceux qui nous regardent et qui font un peu de studio, ou ceux qui jouent en groupe tout simplement et qui ont besoin de ressortir du mix sans agresser, sans percer les tympans. C'est mortel, vraiment. Alors, on a ce caractère Dumble pour avoir eu la chance d'en jouer un, qui ressort avec ses aigus très particuliers, cette clarté aussi de son, cette précision, je dirais même cette transparence, parce que c'est des amplis qui font ressortir les guitares monstrueusement bien. Ils sont pas non plus légendaires pour rien, hein, les légendes se créent pas toutes seules. On a vraiment voulu reproduire cette sensation-là de clarté, cette sensation de définition. On l'entend jusqu'au bout quand on bouge ce bouton mid-range-là. C'est pas exagéré. Il y a beaucoup de pédales où, quand on bouge quelque chose, on a vraiment un effet exagéré qu'on a voulu faire ressortir. Voilà, c'est marrant 2 minutes, mais au final, on fait jamais de musique. Et là,
Franchement, c'est tout le temps musical. On peut vraiment peaufiner comme on veut, sans se perdre dans les réglages. Hein. Il n'y a que 4 boutons. Et une fois qu'on a trouvé ce qui va bien, on ne touche plus et on s'éclate. Alors, ce que je vous propose, puisque ça respecte aussi bien les guitares, c'est de l'écouter, cette pédale, cette HRM V2, avec des P90, les micros que j'apprécie particulièrement. Vous le savez peut-être si vous regardez l'émission. On va voir si ça fait ressortir le caractère de ma SG spéciale. C'est parti. La réponse est oui, cette petite SG, je la reconnais hyper bien, ça respecte le grain de la guitare, des micros, vous avez vu vraiment le caractère des P90 qui ressort. Encore une fois, si vous faites de la musique un petit peu en studio, quelques enregistrements, un petit peu voilà, de groupe aussi, etc., c'est redoutable et vous allez vraiment reconnaître vos guitares dans l'ampli, c'est hyper important. Moi j'ai horreur du matos qui comme ça mange un petit peu les guitares, comme j'ai l'habitude de dire, qui passe par-dessus. Finalement, ça finit par même passer parfois par-dessus l'expression du guitariste. Là, c'est tout le contraire. On oublie complètement la pédale, on joue et on peut faire. On a envie de tenter des choses, on peut faire tout et n'importe quoi. Finalement aussi, au niveau des styles musicaux, vous avez vu que ça va très loin. Si on a le gain, là j'étais au tiers, on va dire, au début de cette vidéo, on a quelque chose d'assez clair, très blues dans l'esprit. Et plus on pousse, plus on tend vers du rock, du hard rock, voire des musiques un petit peu plus extrêmes, je pense, avec des guitares un petit peu plus costaudes que celle-là. Également, ça récupère super bien le clean, je vais vous montrer ça tout de suite. Sans souci, hein. Vraiment, là, j'ai même pas forcé, j'ai juste baissé les boutons un petit peu à la volée, sans regarder vraiment où j'étais, et voilà, on arrive à obtenir plein de gains différents, etc. Donc c'est super, super agréable à jouer, c'est très très réussi. Et ce que je vous propose, c'est de brancher cette Tokai ES335, là, qui me tend les bras là-bas, pour écouter cette magnifique outil, j'ai envie de dire, cet instrument de musique presque à part entière, cette Ampinobox HRM de chez J-Rocket, avec des humbuckers, avec des doubles bobinages. Bye.
amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez tout sur cette Hot Rubber Monkey de chez J-Rocket. Généralement, on se trompe pas beaucoup chez J-Rocket au niveau des overdrive. Et là, encore une fois, c'est le cas. C'est terrible. J'ai pas peur des mots, c'est vraiment mortel. La version 1 était déjà terrible, mais alors là, la version 2, c'est un gros step au-dessus. Ça vaut le coup vraiment d'être essayé pour ceux qui cherchent un overdrive à mettre sur un ampli qui serait un peu neutre, type plateforme à pédale, hot rod de luxe, etc. Ce genre de truc, c'est franchement terrible. C'est une arme ultime à avoir pour moi, pour faire du studio, de la scène, comme je vous le disais, un peu tout, jouer de la musique, un point c'est tout, se faire plaisir. D'ailleurs, j'y retourne avec cette 335. À très bientôt les amis d'Anton Factory. Ciao.